Hey, salut tout le monde, c'est Inspiring, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'actualité qui a été postée par Riot aujourd'hui. Donc je crois qu'il y a un blog Riot qui a été mis, donc du coup ici, plus Riot qui a fait une vidéo, alors que j'ai trouvé que en anglais, mais qui devrait pas tarder à sortir en français, j'imagine, au niveau de la traduction, etc. Donc du coup, on va analyser ça par nous-mêmes. Ça parle du modification du mode classé en 2019 et les paliers et les placements pour la saison 2019 qui devraient évoluer et changer. Donc du coup, on va découvrir ça tous ensemble, comme d'habitude. Alors, donc là, vous devez avoir la vidéo par Riot Gortok, Riot Spam Magic et Mango Thunder, qui sont, eh bien, tout simplement du staff Riot Games. Au niveau des placements, alors, vous avez appris que les matchs de placement peuvent être frustrants. On peut les comparer à une boîte noire, et même si vous gagnez la plupart de vos parties, vos rounds de départ peuvent vous décevoir. Nous voulons donc que les placements soient transparents et gratifiants, nous avons décidé de les changer en profondeur. Très bien. Tout d'abord, vous recevrez un rang provisoire de la première partie durant votre période provisoire. Vous serez le seul à pouvoir voir votre rang. Très bien. À chaque victoire, vous recevrez beaucoup de LP, donc oui, Point League, donc LP, et vous pourrez passer les promotions. Vos défaites ne vous feront pas perdre de LP. Une fois vos matchs de placement terminés, vous aurez votre rang de départ officiel. Vous pourrez le montrer à vos amis et commencer votre ascension. Alors, ok, mais comment, à quel rang on commence en fait? Parce que tout d'abord, on recevra un rang provisoire de la première partie. Déjà de 1, qui dit que ça sera pas aléatoire comme rank. Donc, à mon avis, forcément, ça va prendre en fonction du classement, tout simplement, de la saison dernière. Donc, des placements. Enfin, au final, vous avez fini quel rang en 2018? J'ai du mal à m'exprimer ce soir. Je vais essayer de faire un effort parce que sinon, ça va être rapidement relou. Même pour moi. Donc, ça sera en fonction du rang de l'année précédente, à mon avis. Donc, on va forcément descendre au moins 5 divisions à chaque fois. Donc, quand vous étiez D5, par exemple, vous allez spawn plat 5. C'est ce qui arrive le plus courant, etc. Plat 5, gold 5, etc., etc. Mais là, ils n'ont pas spécifié le nombre de games, à moins qu'ils laissent ça à 10 games. Et pour le coup, ça serait très intéressant du coup pour monter en début de saison, parce que si vous commencez plat 5 et avoir le nombre de LP qu'ils vont mettre déjà, et le fait de ne pas perdre de LP quand vous faites des défaites, c'est aussi une très bonne chose. Donc moi, je trouve ça bien pour l'instant. Après, il n'y a pas encore assez d'informations pour que je me rende compte honnêtement. Ils vont peut-être en parler là. D'ailleurs, parlons de cette ascension plus en détail. Très bien, ils en parlent. Depuis longtemps, vous êtes nombreux à sentir que vous progressez, mais sans répercussions sur votre classement. Il est vrai que les paliers et divisions du système actuel ne font pas tous au même niveau. Ne sont pas tous au même niveau. À l'heure actuelle, un joueur en bronze peut réussir à s'améliorer sans pour autant changer de division. En diamant et plus, le niveau des parties diffère complètement si vous jouez en haut ou en bas du palier. C'est vrai qu'entre D5 et D1, putain, bah en vrai, c'est logique, hein. Quand ils pensent, entre plat 5 et plat 1, ça joue pas du tout pareil non plus. Entre gold de 5 et gold de 1, bon, il y a moins d'écart en bas niveau. Et c'est vrai que diamant est l'exemple le plus flagrant, mais en vrai, c'est réel pour tous les paliers actuellement. Et c'est normal. D'un autre côté, en or, même une légère progression peut très vite vous propulser en haut ou en bas du palier. Imaginez une échelle sur laquelle certains barreaux sont plus espacés que d'autres et devient assez compliqué d'y grimper. Nous avons donc voulu trouver un juste milieu où vos performances seraient bien représentées. Donc, nous avons ajouté deux nouveaux paliers. Ah ouais? Ils ajoutent deux nouveaux paliers. Ok. Le premier palier fer est en dessous du bronze et permettra à ces joueurs d'avoir de meilleures chances de grimper les échelons à chaque fois qu'ils s'améliorent. Oh, va y avoir un rang en dessous du bronze, mon dieu! Quelle horreur! Oh putain, va y avoir des fer 5. Oh, ça va être génial. Ça va être génial. On va créer des bronzes, des comptes en fer. Oh, trop bien, ça va être génial. Ok, et le second palier est grand maître et se trouve entre maître et challenger. Ce palier nous permettra enfin de recadrer le haut du classement et de mieux différencier ces joueurs selon le. Alors, autant pour le classement qu'ils ajoutent en dessous du bronze, je suis plutôt d'accord. Mais je suis pas du tout d'accord pour le grand maître entre maître et challenger en fait. Enfin, il n'y en a pas besoin. Enfin, après, bon, je joue pas des games en Master et Challenger, mais je sais comment ça se passe. Et je pense que mettre un rank entre les deux, c'est pas utile en fait. Enfin, je vois pas ce que ça rajoute. C'est juste ça en fait.
Mais après, pourquoi pas, hein. Peut-être que ça ravira les joueurs Challenger et Master plus que moi. Si vous vous préparez déjà pour la prochaine saison, vous pourriez penser que nous ne faisons qu'ajouter des obstacles à des nouveaux paliers. C'est pourquoi nous réduisons le nombre de divisions de 5 à 4. Yes! Putain, ça, oui. Ça, je suis d'accord. Merci, Riot. C'est bon. C'est bon, je m'en fous de tout ce qu'ils ont dit avant. C'est bon, nickel. Je vous aime. Par conséquent, la prochaine saison, il n'y aura plus de joueurs bronze 5 dans League of Legends. Aïe, aïe, aïe. Incroyable. Le changement. Vous ne pourrez plus être bronze 5. Le même de bronze 5 aura disparu en 2019. Incroyable. Changement. Très bien. Bon, au niveau du design visuel, on s'en tape les couilles. Au niveau de la conclusion, nous avons hâte de vous présenter ces modifs qui arrivera avec la pré-saison. Très bien, donc ça arrivera en pré-saison déjà et pas juste en saison 9. Donc on pourra y tester, etc. Comme toujours, faites-nous part de vos remarques, posez vos questions et nous tenterons d'y répondre les semaines à venir. Merci d'avoir joué, à bientôt dans la faille. Très bien. Eh bien, je trouve ça plutôt cool, écoutez. Surtout pour le fait de réduire de 4 à 5 le niveau des paliers, je suis très content honnêtement. Alors il y a plein d'autres blogs, si vous voulez je vous mettrai tout simplement le lien dans la description. Ça doit être à peu près la même chose j'imagine. Modification pour le mode classé en 2019. Bon là apparemment ils expliquent pourquoi un palier grand maître. Fin d'apparition. Ok, ils expliquent pourquoi tous ces changements, plus de compétition et plus de clarté. C'est à jour. Ok, donc là, oui, il parle vraiment du vraiment haut et low. À propos du classement par poste, tiens, ça peut être intéressant, ça, parce qu'il me semble qu'ils en avaient parlé. Pour les régions qui ont un aperçu du classement par poste, vous vous demandez certainement comment vous et vos rivaux seront affectés. En versant, vous ne serez pas au fur et à mesure que votre rang augmente, les mécaniques en coulisses, relient votre poste chaque fois un peu plus. Une fois le sommet du classement atteint, votre MMR. Vos MMR sont étroitement liés. Lorsque vous passez au palier maître, vos rangs par poste fusionnent en un seul rang, comme c'est le cas actuellement. D'accord. Donc ça, je vous le mettrai en description pour le coup, si vous avez envie d'y lire pourquoi le grand maître, etc. Ça peut être un peu intéressant. Je vais le lire pour ma part aussi hors caméra. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que les annonces de Riot vous font plaisir. Pour moi, évidemment, le grand changement, ça va être qu'il y ait plus que 4 divisions à passer. Et plus 5, ça va, dynamiser le jeu, je vais y arriver. Et c'est ce qui manque à League of Legends actuellement, du dynamisme. Et je pense que Riot commence à le comprendre et qu'ils font les bons changements et que le jeu suit une voie qui me convient, on va dire. Peut-être pas à tout le monde, mais pour la majorité des joueurs, à mon avis, ça devrait leur convenir. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire comme toujours. Je vous fais des bisous, c'est pareil. Ciao.